Salut à tous, on fait une vidéo sur les indices boursiers car on approche éventuellement du début d'un retracement intéressant. En tout cas, à mon avis, on n'est pas encore l'heure de la vente et surtout, s'il vous plaît, si vous voulez vendre les indices, vendez les indices faibles, c'est-à-dire ne vendez pas les indices US. Qui, honnêtement, qui, en tant que trader, qui se prétend faisant de l'analyse technique, essaye de vendre ça. Ok? Juste qui? Attendez, on va mettre le SP500. Hein. Voilà. Qui? D'accord. Si vous vous dites trader, dans le sens où vous analysez les graphes et vous ne traitez pas les news, ou le FUD, ou ce que vous voulez. Qui vend ça? On a une correction en 3 d'école. D'accord? Qui vient chercher la zone d'égalité d'amplitude? Okay. On fait un V-bottom, où on accélère. La seule vente qui pouvait se discuter, c'était par ici. 2676-2680. Pourquoi? Parce que là, on avait bien 3 vagues de baisse. On pouvait penser 3 vagues de hausse derrière pour faire un W, X et enchaîner sur un Y. Mais jamais, au grand jamais, il a été question de voir une impulsion baissière ici. Okay? Mais je suis d'accord, moi, vers ici, il y avait une vente qui se tentait pour ceux qui étaient Mais depuis ça, depuis qu'on a cassé ça et qu'on a activé de la divergence, il n'y a plus rien à vendre sur les indices. Et s'il vous plaît, ne me vendez pas les indices américains. On fait des plus hauts historiques. Depuis ici, je vous dis, hop, c'est terminé. Là, nous, on avait tenté de vendre ça. On a à la rigueur retenté de vendre ça, mais pas dans l'idée de vendre pour un gros un nouveau plus bas, juste pour essayer d'avoir un retracement. Mais autrement, je vous dis, on ne vend pas les indices, on les achète en intraday. Ça, c'est du pain béni hein, en intraday. Vous regardez la vidéo d'achat des retracements quand vous avez identifié une tendance haussière sur une UT. Pardon, petite coupure. On fait un plus haut historique. D'accord? Et ça, je vous l'ai dit depuis un grand moment. On va aller voir le plus haut historique et probablement juste après, on va entamer une correction. Mais là, dans l'idée, comment dire, globale. On cherche toujours le sommet de la vague 3 weekly, hein, c'est tout ce qu'on fait. Hein, d'accord? On n'est pas à l'aube de la mort de notre économie comme certains vous l'annoncent. Hein. Il suffit de regarder des graphes, d'accord? Alors peut-être qu'il y a un problème de degré et que le 3 était là, et que dans ce cas-là on fait un 5 ici, j'y crois moyen. Là pour moi on va chercher le 5 bleu, d'accord? Et ensuite effectivement on va aller chercher un 4 violet qui va être ben, théoriquement pas loin de cette zone ici, donc ce qui va faire quand même encore une belle correction de ce style. Et puis on remontera pour aller chercher des plus hauts encore historiques, ou alors tout est décalé comme ça, et on est déjà en route pour des plus hauts historiques, et dans ce cas-là, on va faire des retracements moins profonds et continuer à monter. Mais s'il vous plaît, ne me vendez pas les indices US. D'accord? On ne vend pas une lessiveuse haussière. Qui cherche à vendre ça? Enfin, honnêtement. Un indice boursier est calibré pour monter. L'économie américaine est la plus forte. D'accord? Ça ne sert à rien de faire le chevalier blanc contre l'économie américaine. Elle peut être truquée, soutenue artificiellement, tout ce que vous voulez. Ça reste le moteur de l'économie mondiale à l'heure actuelle. Okay? Alors bien sûr, on commence à avoir des grosses décorrélations entre les graphes US et les graphes des autres pays. Mais ça va probablement juste se marquer par une vague 4 qui va être beaucoup plus sévère sur les US que sur le reste. Mais est-ce que vous voulez short ça? D'accord? Pourquoi short quelque chose qui veut monter comme ça? Ça, dès que vous avez identifié ici que c'est mort, on n'allait pas faire un WXY, donc une double correction daily, mais il fallait se mettre à acheter tous les replis. Et c'est du pain béni. Des tendances aussi parfaites que ça, c'est rare. Hein? D'accord? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Donc vous achetez tous les replis. Tac, 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 comme je vous l'ai déjà montré plein de fois, enfin comme je vous l'ai déjà montré dans la vidéo de cours sur ça, et bingo, d'accord? Et bingo, vous faites pas chier à essayer de vendre ça. Et là, très probablement, on fait une correction un poil plus sévère depuis hier, là, vous voyez, mais c'est très probablement que la recherche d'une vague 4. Et pourquoi on fait ça? Mais parce qu'il suffit d'aller voir les autres indices, le Dija, donc le Dow, il n'est pas prêt encore.
il n'est pas prêt à faire sa nouvelle vague de hausse, très probablement. Vous voyez, si je vous le montre en daily, hop, c'est pareil, hein. On a fait 1, 2, là on est dans une vague, hop, pardon, on est dans une vague 3, 4 et on cherche la 5. D'accord, on cherche la 5 bleue. Donc la 5 bleue, elle est subdivisée en rouge, d'accord, avec le compte rouge. On a trouvé le 3 rouge probablement. Là, on cherche la 4 rouge. Et vous voyez, il n'est pas prêt, il n'a pas atteint sa zone d'égalité d'amplitude. Ou alors elle était ici, mais j'y crois moyen, je pense qu'elle est plutôt là, sur 100% d'extension. Et donc, on l'attend ici. On attend que le dos aille chercher cette zone ici, ok, et pour avant de faire une nouvelle vague de hausse. Et pourquoi je pousse vers plus de hausse encore sur les indices? Ben parce qu'il suffit d'aller voir. On peut regarder aussi le FTSE. Le FTSE, il n'a pas encore atteint sa zone. Bon, et là, il vient de la frôler et il commence à repartir vers le haut. Donc, pourquoi pas? Mais le FTSE, c'est exactement la même chose que le FTSE en daily. On n'est pas dans la même histoire. D'accord? Lui, on est dans un ABC. On a fait le A, on fait le B. Et là, on va aller chercher le C. D'accord? Qui sera lui-même une énorme vague B. Le FTSE, il est plutôt dans un style diagonal de montée en 3. Okay? Mais vous voyez que le FTSE, en 15 minutes, il a presque atteint, mais pas encore, sa zone d'égalité d'amplitude. Mais peut-être qu'en fait, il va juste tronquer ici. On voit que ce cycle-là, il peut tout à fait être terminé. Et on repart maintenant. D'accord? Et sa target, elle est toujours ici. Le FTSE, je l'atteins à 7740. Donc il n'a pas encore atteint sa zone de maturité. L'IBEX, l'indice espagnol, c'est exactement la même chose. On l'attend ici. D'accord? Il n'a pas fini encore sa montée. Okay, il lui reste de la marge. On a fait A, B, C. Il lui reste de la. Enfin, on est dans le C. Il lui reste de la marge pour pousser. Alors, bien sûr, on peut tronquer et finir sur une diagonale. Mais même la diagonale, il faut la compléter. Donc, on n'ira peut-être pas jusque-là. Mais en tout cas, pas beaucoup plus bas que ça. Donc, il leur reste à eux à pousser encore. Ce qui devrait permettre aux US de faire une dernière petite vague 5. Si on regarde le DAX, c'est pareil. Le DAX, c'est exactement la même chose. Alors, le DAX, il y a deux possibilités quand même. D'accord. Hop, le DAX, à mon avis, on est dans un WXY. D'accord. Donc, daily. Il y a deux possibilités. Ou le W de la montée, il est ici. D'accord. Et dans ce cas-là, on attend le DAX au moins vers 12 585, pardon. Et dans ce cas, vous voyez, il lui reste du push à faire. Ou alors, tout simplement, en fait, le Y, il était ici. Avec le W. Ici, et dans ce cas-là, on est déjà dans la zone. D'accord? On a déjà atteint 12 038. On est déjà dans la zone d'égalité d'amplitude. Et donc, on peut déjà avoir fini le W. Okay? Mais vous voyez bien que ça, là, A, B, c'est celle-là, là, même celle-là, elle pousse encore un peu. Donc, on devrait au moins atteindre cette case bleue. Celle-là ici. Donc, il reste de la marge haussière sur les indices. Et si vous voulez vendre, ben, il faut vendre le FTSE, hein, ou le DAX. Il ne faut pas vendre les US. D'accord? Moi, je vendrais le FTSE, personnellement, à titre individuel. Moi, c'est le FTSE que je vais vendre. S'il vient chercher ça, c'est lui que je vends. Hein. Ok? C'est pas les indices US. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous cherchez à short une. Enfin, pourquoi beaucoup cherchent à short, pardon, une lessiveuse haussière comme ça. Ça reste un mystère pour moi. Je sais pas. Je comprends pas. Je veux dire, ou vous tradez le fondamental, et dans ce cas-là, oui, l'économie arrive vers une fin de cycle, mais ça se traduit par quoi au niveau d'un graphe? Ça se traduit par le fait qu'elle fait une vague 4 et qu'on fait la 5. La 5 aura moins de momentum. D'accord? Est-ce qu'en weekly, vous voyez une divergence? Non. Regardez, on a fait un plus haut historique du RSI. Enfin, historique, on a fait un plus haut du RSI ici. On a divergé sur ça, d'accord? On a purgé cette divergence. Et ça, là, ça c'est signe qu'on est dans une vague 3. Hein. Cette divergence ici, c'est la divergence d'une vague 3. Et c'est même probablement, vu l'étendue de ça, la sous-3. Ça c'est une sous-3, ça c'est une sous-5 qui fait une vague 3, une vague 4. Et là, on va chercher la 5. Et cette 5-là sera la 3 de toute cette montée. Donc on a encore de la marge. Hein. On a encore de la marge. Enfin, largement, quoi. Largement, largement. Mais pourquoi chercher à short? C'est ça que c'est un mystère. Hein. Je ne comprends pas. On est monté tout ce temps-là. On a baissé ce temps-là.
Pourquoi chercher à short ça, statistiquement, d'accord? On monte 9 fois plus souvent qu'on descend. Si on vous dit ça, par exemple, si vous devez jouer à la roulette russe, et qu'on vous dit, vous avez le choix entre un pistolet qui va rater son tir 9 fois sur 10 et un pistolet qui va réussir son tir 9 fois sur 10. Ben, vous allez prendre quoi? Le pistolet qui va rater son tir 9 fois sur 10. Eh bien, c'est exactement la même chose. Pourquoi vous voulez short ça? D'accord? On n'a même pas activé encore de vraies divergences. Comment dire? De vraies divergences. On a la petite divergence Monthly ici. Ça, c'est pareil. Vous voyez qui s'est mis en place ici. C'est la même chose. Ça, c'est pas la fin de tout ce mouvement-là. C'est la fin juste de la dernière vague ici. Donc, on fait 3, 4, 5. Et après, on fait grosse 4, grosse 5, qui créera une deuxième divergence cumulée. Et là, il faudra commencer à s'exciter. D'accord? Là, il faudra commencer à s'inquiéter. Vous voyez, hein, sur le 6 mois, qui est une échelle de temps qui est quand même, bon, c'est peut-être un peu gros, mais pas forcément ridicule. 1, 2, 3, et on n'a toujours pas de divergence qui apparaît ici. D'accord? Donc, on est large encore sur les indices. Bien sûr, ça va être un peu plus tumultueux que les dernières années, dans le sens là où on va réenchaîner une vague 4, donc ça va rebaisser, et la vague 5 aura moins de momentum que ça, donc sera moins jolie, et ça se trouve, on la fera sous forme de diagonale, qui est très possible. Après une telle poussée haussière, on pourrait très bien finir sur une diagonale, en mode gros essoufflement de la tendance, et puis ça fait galérer un ou deux ans dans une diagonale comme ça, et puis après, ok, après on fera l'équivalent de ça. Possiblement, ça c'est possible, oui. On fera l'équivalent de ça. Donc, ou de ça. Mais il y a quand même des chances que on finisse quand même un super cycle à mon avis, ici, donc il y a quand même des chances que ça ressemble. Mais on n'y est pas encore, hein, d'accord? Donc, si vous tradez le fondamental, bien sûr que les traders fondamentaux, ils font pas de l'intraday, ils font pas du daily, ils tradent en weekly. Alors bien sûr qu'ils arrêtent d'acheter. Là, je suis d'accord. D'accord qu'ils ne veulent plus acheter. Est-ce qu'ils shortent? Ça m'étonnerait. Ou alors ils commencent tout doucement à short, mais ils ont les poches assez profondes pour aller largement plus haut. D'accord? Et enfin, je ne vois même pas pourquoi ils shorteraient ici, mais bien sûr qu'ils vont commencer à chercher des ventes, mais ils ont des poches beaucoup plus profondes que nous. D'accord? Ils peuvent tenir easy des milles et des milles de montées encore. Nous, on ne peut pas faire ça. D'accord? Surtout sur des indices. Donc on arrête de vendre ça, et si on vend, on vend les plus faibles et pas les plus forts. Voilà, bon, j'espère que ça finira par rentrer. Et oui, on approche d'une zone de short, mais il y a tellement d'argent à se faire à la hausse, enfin à l'achat sur ces montées-là, que je vois même pas pourquoi vous essayez de jouer le short. D'accord? On monte 9 fois sur 10, on tombe une fois sur 10. Après, choisissez le camp que vous voulez.